Voilà, une petite découverte aujourd'hui. Ben, il y a un azote dessus le site le Rochetand. Rochetand que mes va essayer de faire découvrir azote. Nous, me rappelle azote que nous les Stella, mais qu'on n'est pas Zotiwa, nous les en contrebas du musée Stella Matutina. Et donc, ben, ce lieu-là, nous les sur le site, il appelle Rochetand. Rochetand, pourquoi? Je vais expliquer azote ça tout de suite. Et nous allons aller voir le Rochetand tout de suite. Bon, voilà, donc nous arrivons à côté de le Rochetand. Tu vois, le Rochetand est là. Et donc, ben, ça va faire découvrir ça. Pourquoi le Rochetand? Nous, on a le bon roche ici. Et donc, ben, ça va découvrir ça tout de suite. Voilà, nous pouvons voir ici ben, un des roches qui est sur le site. Hein. C'est le roche principal. Hein. C'est sur le roche ben, où ça nous déboute. Nous allons voir un petit peu partout. Donc, ça, c'est un roche volcanique. Un gros roche volcanique parce que ben, sur le site là, comme Mediazot, c'était un volcan. Voilà, donc là, moi, je suis en contrebas de Bonne Roche, hein, moi, je suis côté nord, hein, on va dire côté nord, côté Saint-Leu, quoi. Donc, ça, tu vois, le Bonne Roche ici. Alors, ces Bonne Roche, étaient projetées par le petit volcan qui était là. D'ailleurs, le petit volcan, ben, quand il a pété, justement, quand il a coulé, il a formé la pointe au sel. Du coup, la pointe au sel, tu n'appelles pas la pointe au sel avant, hein, il t'appelle la pointe de Bretagne. De toute façon, en instant, nous allons voir la pointe de sel, nous allons voir aussi le sol, la terre, comment elle est constituée. Nous allons voir que c'est un sol volcanique et avec le roche volcan en terre. Voilà, les bonnes conditions, comme il dit Azote, hein, les bonnes conditions, aujourd'hui, pas très évident pour filmer hein, par rapport, ben, le vent est très fort, très fort. Là, nous pouvons voir, voilà, ici, nous en avons un roche, ben, elle est larguée en deux roches ici. Je ne connais pas ces outils, voilà. Ces deux roches-là, ces deux roches-là, ils calent un roche. Je veux dire que la projection, le cratère que nous allons voir un instant de l'autre côté, là, on voit le bonne roche ici. Donc, la cale là-dedans. Partout, les pareils. Nous voyons de ce côté-là, nous voyons aussi, on m'a dit là, ce gros cap-là. Ben, ce gros cap-là, il est juste posé, où ça il est là. Il est juste posé dessus. Et du coup, ben, voilà. Là, a eu cette projection et que la pose de bonne roche en l'air. Toute bonne roche que nous voyons, là, c'est ces bonnes roches, les posées. Et il reste, dans longtemps, les là. Hein. Depuis, moi, les petits, m'y connaissent, ça, les là. Jamais tombé. De toute façon, ces bonnes roches, quand même, assez conséquents, les lois. Et voilà quoi. Donc, mais bon, on ne connaît pas ça. Que à terre-là, ben, si le bonne roche les placer comme ça, les poser comme ça, c'est pas un moun la mettre, ni un tractopelle, ni quoi que ce soit. Mais plutôt la projection du haut volcan, que le juste côté nord, donc là était comme ça et envoyé ici. Nous allons aller voir tout de suite le volcan. Voilà, là, ils descendent justement en direction. Ben, le cratère, hein. Moi, t'es petit, mais tu crois que c'était la ravine. Non, parce que la ravine ne peut pas démarrer, là, elle finit là. Donc, nous, ça va vers le cratère qu'elle a fait le plan de projection et aussi qu'elle a coulé en bas et elle a fait la pointe au sel.
Voilà, là nous est à proximité où ça le cratère commence. On va essayer de descendre dans le fond pour voir un petit peu plus près. Un peu difficile pour descendre, mais nous va essayer. Hein. Nous va essayer de descendre. Voilà. Là. Il est presque arrivé. Hein. Voilà. Le banc de roche, ben, il graine. Hein. L'instable était là. Voilà, tant bien que mal, ben, nous arrivons au fond le cratère. Hein. Donc le cratère, il est là, nous l'est dedans. Les autres types voient ben, le banc de roche, hein. Le banc de granit. Voilà, nous est dans le fond. Nous l'est au milieu le cratère. Hein. Donc voilà. On l'est là. Alors ce volcan-là, ce petit volcan-là, quand il a pété, il a coulé jusqu'à la mer. Et il a fait une plateforme. Il a fait un plateau. Et il a donné un petit endroit, il appelle Piton Bretagne. En fait, il appelle Piton Bretagne. Ensuite, il a donné à lui le nom de Pointe-aux-Selles. Bon voilà, donc l'ami prend le sentier pour descendre direction la Pointe-aux-Selles. Direction la Pointe-aux-Selles, ben, l'ami longe toujours, ben, toujours le cratère, hein, le cratère qu'il a fait en ravine. Donc ben, nous plutôt loin, nous les à on va dire 2 km, 1,5 km. Et puis ben, nous allons à Pointe-aux-Selles, hein, c'était la pointe de Bretagne. Voilà, voilà, nous continuons notre périple, hein, on va aller plus trop loin. Hein. Bon, mais ça monte à Zot, là nous aperçoit. Comme ça, tu vois, nous aperçoit ben, le sommet. Enfin, c'est le dernier parti du Rostand. Nous avons filmé un parti, c'est l'autre côté, hein, c'est côté montagne. Et donc, ça, c'est un autre parti. Nous voyons ici que voilà, le cratère, ben, il finit là, où ça nous l'est là, disons, juste à 100 mètres d'ici. Et donc, la projection, ben, quand elle a eu lieu, ben, voilà, c'est le dernier parti. Et puis, les autres, c'était la coulée. Qu'elle a continué de descendre en bas vers la mer pour former la Pointe-aux-Selles. Enfin, c'était la pointe de la Bretagne. Nous continuons et nous allons voir ça. Voilà, là, nous arrive plutôt à côté, à côté de la route nationale. Hein. On appelle ça la route littorale, hein. C'est pas la route littorale Saint-Denis. Donc, nous les presque arrivés à la Pointe-aux-Selles. Donc, comme vous êtes aperçoit, on a la circulation, on a l'auto, tout ça. Et donc, nous continuons jusqu'à temps qu'on arrive, nous ça passe dessous un pont, et puis nous ça va. Hein. Comme vous êtes voir, ben voilà, la preuve de cette midi azote. Là, nous les dessus un chemin, les faits par volcan. Donc, nous voit que c'est du sol volcanique que nous voit là. Donc, voilà. Et c'est la continuité du site du Rostand et que la descente. Et il a fait la Pointe-aux-Selles. Voilà donc, nous arrivons au site. Hein. Nous arrivons au site. Du coup, on la passe à côté, le four à chaud. Si, dans cet espace-là, il existe encore un four à chaud. Je rappelle qu'il remplace une autre ciment. Hein. La chaux, on n'était plus la case avec avant. Hein. Par contre, ce four à chaud-là, on va dire tout de suite, que ça n'est pas le four à chaud d'origine. Ben, elle a refait ça parce qu'elle l'avait cassé. Hein. Elle l'avait cassé quand elle avait fait travaux, la route, tout ça là. Donc du coup, ça c'est le nouveau four à chaud. Hein. L'ancien n'existe plus, donc au mieux pas nous attarder dessus. Nous allons aller direction la Pointe-aux-Selles parce que nous, il est juste à côté. Voilà, donc là, moi, je suis sur le site de la Pointe-aux-Selles. Comme ça, tu vois, ça c'est le bonnes anciennes salines. Ça va des stocks de l'eau pour faire le sel.
Donc là, avant l'été, l'usage était plus pour la conservation, hein, le sel. Ensuite, on a la saline en bas maintenant qu'ils utilisent comme elle est là. Et elle est plus industrielle maintenant. Avant ça, ça il est là. Donc c'était les anciennes salines et ils ne servent que le sel pour la conservation des aliments. On fait saler, boucaner. Voilà. Nous continuons, on va voir les nouvelles salines que Nana à côté et le musée du sel qui est juste en bas. Voilà, là nous les carrément en bas, donc nous les au bord de la mer. Comme tu vois, la mer elle n'est pas trop gentille aujourd'hui. On va dire que la mer elle est même très mauvaise. Donc ce lieu-là, ce lieu il appelle la caverne. Et on a le petit bassin juste en face que tu vois, la caverne, c'est un mélange de salé et de douce, parce qu'il y a un petit soisse aussi juste à côté, un petit soisse de douce qui alimente aussi le petit bassin qu'ils appellent la caverne. C'est un lieu très dangereux, déconseillé aux baignades, interdit plutôt hein, aux baignades, après on a les habitués. Et puis là aussi, notre bande touriste, il vient bon peu pour regarder la mer quand on a beaucoup de vagues, quand on a beaucoup. Mais quand elle est très forte. Donc c'est un lieu touristique et puis c'est un lieu pour les habitués aussi du coin. Hein. Donc cet endroit il s'appelle la caverne.